l'idée du challenge, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble aux implantations. Moi, je suis Julie. Bon, Mickaël. Morgane de la Conciergerie Solidaire. Je m'appelle Johanna. Je représente Michael Avry. Bon, je m'appelle Julien Corner. L'objectif, en fait, c'est de valoriser les créateurs et les artisans sur le parvis, en fait, de la gare de Saint-Denis. C'est une chance de pouvoir présenter votre offre, votre projet dans une gare, parce que vous allez être naturellement confronté à un très grand nombre de clients. Et ça, c'est une valeur colossale. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment faire tomber les murs de la gare, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment ouvrir la gare sur la ville. Amener un petit peu de vie dans ces gares, d'innovation, d'agilité, de service à la population et sur lequel on a besoin de vous. Parce que c'est bien le but de ces journées, que vous vous rencontriez et que vous voyez ce que vous avez à mettre en commun pour travailler ensemble. En fait, Beneza Dog, c'est une offre de snacking spécialisée sur la dog revisitée. On va travailler de toute façon des produits bio, des produits locaux, avec un chef, avec les enfants. Autant proposer ça aussi aux voyageurs. L'idée, c'est de se rapprocher de la gare de départ des gens. On est un quartier de ville à part entière, et donc on joue toute la palette du quartier de ville à part entière. Avec l'association Famille Solo, qui est de l'aide du conseil juridique. Moi, je ne me limite pas qu'à la France ou au Maroc. Je veux vraiment que ça soit une cuisine mélangée. C'est génial d'être ici parce que nous, on a envie d'être juste une plateforme d'innovation sociale et puis d'accueillir plein de beaux projets. On va développer le projet en profondeur, que ce soit autour du financement, de la clientèle potentielle. C'est une ambiance qui est stimulante. Ça fédère des initiatives, ça permet de capter des idées chez les uns et chez les autres. Dans un réseau, moi j'ai compris, on y trouve ce qu'on y apporte. Ce qui compte, c'est vraiment simplement la confiance que les gens vous accordent. S'il n'y a pas la niaque, s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas le désir, il n'y a rien. Le stress d'un moment dans votre trajet, vous allez voyager avec votre animal assez longtemps, parce qu'en fait, vous partez le matin, vous allez au boulot. Généralement, ils partent très tôt du boulot pour revenir chez eux. Alors, passons à l'annonce des résultats. Pour la gare de Melun. Donc, c'est Clé de Job. Le local de la gare de Bibliothèque François Mitterrand. Alors, donc, c'est la Conciergerie Solidaire. On va garder notre mission qui est vraiment d'éveiller les enfants à bien manger. Donc, on va mettre ça au sein de la ville, dans la gare. Alors, être lauréat en gare de Kennedy et Nogent-le-Perreux va nous apporter une belle perspective pour travailler ensemble, pouvoir collaborer à trois entreprises et surtout apporter un service de réparation et de vélo en gare. C'est un nouveau défi et on va le relever. C'est vraiment une promo qui s'est professionnalisée tout au long du challenge avec des projets à des degrés de maturité différents et on est très content de les avoir accompagnés vers leur installation en gare sur l'année prochaine. Thank you.